tiens les clés de la mort. Et je tiens les clés du séjour des morts. Et puis tout pas besoin de pénon, je me bats déjà. Ou pas besoin de pénon, je me pète fier déjà. Ou pas besoin de paix, je me dérange déjà. Et puis tout me dit, libre mon épée. Libre mon épée de la parole. Libre mon épée, aurait le sang de Jésus. Libre mon épée, aurait le nom de Jésus. Et puis tout les diables à la rime, je me dis épée. Les diables à l'envirème, je me dis épée. Mesdames, Messieurs, salut. On a continué avec une série de messages nous sur le psaume 91 autour du thème « À l'ombre du Tout-Puissant ». Nous espérons que nous vous bénis et nous encourager pour capable suivre la série et partager avec vos amis, avec vos familles. Et ça va pour vous-même, une source de grâce et de riche bénédiction. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Psaume 91, en nous rentrer là-dedans, et les versets qui nous préoccupent dans l'enseignement de ce matin, nous joignons ces versets 5 à 8. Mais qui ça, parole bon Dieu a dit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Merci Céleste Père pour la parole. Fais-nous la grâce de la comprendre. Ouvris entendement nous. Sois avec ton pauvre serviteur qui reconnaît que sans toi il n'est rien. Et si je ne grâce nos yeux, ordonnez que parole la prêche avec puissance et que toute force contraire, force de distraction, capable de tomber devant nous au nom de Jésus de Nazareth. Capable de tomber pendant la parole la prêcher au nom de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu qui fait grâce. Fais-nous grâce et miséricorde au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, le 18e siècle marque un tournant décisif dans la pensée universelle. Les écrivains et philosophes de cette époque avaient voulu se débarrasser de l'obscurantisme, une attitude d'opposition à la diffusion du savoir pour embrasser une vision renouvelée et élargie du monde. Ils avaient voulu transformer la nuit de l'ignorance en clarté, guidée que par la lumière de la raison. C'était le siècle de Diderot, de John Locke, de Béraclia, de D'Alembert, de Voltaire et de Montesquieu, pour ne citer que ceux-là. Ces intellectuels, parmi d'autres, ont encouragé le développement de la science et se sont opposés à la superstition, à l'intolérance, aux abus de l'Église et de l'État. Les traits marquants de cette période sont la primauté de l'esprit scientifique sur la providence, la réflexion politique, la désacralisation de la monarchie, l'esprit critique, l'affirmation de l'idée de tolérance et le déisme. Contrairement à l'athéisme qui est la négation de Dieu, le déisme, quant à lui, veut une affirmation rationnelle de son existence. Le Dieu du déisme n'est pas un Dieu de foi ni de culte, mais un Dieu du raisonnement. Avec du recul ou le privilège historique, beaucoup admettent que la raison n'explique ni ne résout pas tout. Il y a des réalités que l'humain ne connaît pas et parfois ne connaît qu'il ne connaît pas. Des réalités qui sont au-dessus de la raison, au-dessus de la logique, au-dessus du raisonnement. Dieu est au-dessus de la raison. Les anges sont au-dessus de la raison. Le diable et les démons le sont également. On dit qu'il faut se méfier des êtres qu'on ne connaît pas. Si cela est vrai, ce n'est pas de Dieu que je me méfie, car il est patient, charitable et bon. C'est plutôt du diable, car il vient pour tuer, égorger et détruire. Alors vient la question, qu'est-ce qui me permet de vivre dans un monde dominé par Satan sans souci ni crainte? La réponse commence par cette affirmation, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous revenons à la charge ce matin. Dans notre enseignement sur le psaume 91, nous parlerons autour du thème « Sois sans crainte ». L'expression
contagion qui frappe en plein midi est traduit dans d'autres versions bibliques de diverses manières. La version second 21 parle de fléau. La Bible se meurt dit insolation. Les versions Martin, Osterwald et Darby évoquent l'idée de destruction. En anglais et précisément dans la version King James, c'est pareil, le mot est traduit par destruction. Le mot hébreu pour contagion est keteb. Ce mot apparaît trois fois dans la Bible, notamment en Deutéronome 32, 24, Ésaïe 28, 2 et Psaume 91, 6, pour désigner quelque chose qui retranche, dans le sens de couper, de détruire. En Ésaïe, le mot est utilisé dans le contexte d'un ouragan, orage de grêle, tempête qui précipite des torrents. En Deutéronome 32, 24, il est placé dans un cadre de contagion et de peste. L'auteur évoque les concepts de fièvre, de maladie violente, de dents des bêtes féroces, de venin de serpent, d'épées et d'effrayantes calamités. Les traducteurs de la Septante, qui est la première traduction de la Bible en grec, et Saint Jérôme dans la Vulgate traduisent le mot par démon. Stay with me now. En latin, démonio meridian, ce qui signifie littéralement le démon du midi. Il y a tout au moins deux explications à cela. La première, les traducteurs de la Septante et Saint Jérôme ont commis une erreur. Songez-moi que texte dit, tu ne connaîtras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'herbe, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il y a texte de la destruction qui frappe en plein midi, alors que dans le texte grec, la Septante, et dans le texte latin, Vulgate, il est traduit par démon. Démon qui comprennent que dans la traduction grecque et dans la traduction vulgate, ou plutôt la traduction latine, démon qui dit que sont erreurs. Et raison qui fait dire ça, c'est parce que dans le texte hébreu, le mot keteb, qui signifie destruction, est suivi par deux autres mots, yasud sahorahim. Le mot shud, qui signifie littéralement waste en anglais, gaspille en français, c'est un mot qui est très proche de notre mot qui aurait les shed. Et mot ça livre dit démon. Les traductions grecques et latines seraient donc une erreur de lecture selon la première compréhension de cette distance, ou plutôt de cette variation d'interprétation. La deuxième explication est que les traducteurs de la Septante n'ont pas commis d'erreur. En fait, apprenons l'histoire, on dit qu'il y avait environ 72 érudits juifs qui avaient travaillé à la traduction de la Septante. Donc il serait difficile, pour ne pas dire impossible, que toutes 72-là commettent la même erreur. Puisque chaque traduction est une interprétation, la Septante ne contredit pas le texte hébreu, mais l'explique. En fait, il y avait une croyance dans la culture juive, et certains rabbins croyaient que dans le royaume des ténèbres, il existait deux grands démons. Le démon qui préside au jour et le démon qui préside la nuit. On croyait également dans certaines civilisations anciennes qu'il existait un démon du midi qui frappait et jurait et tuait les gens à cette heure fatidique. Dans la littérature classique, on retrouve cette idée dans l'œuvre de Théocrite, un poète grec, dans une œuvre qui est une idylle où il met en dialogue le berger Tircis et un chevrier. À Tircis, qui le demande de jouer de la flûte, le chevrier répond: « Berger, je ne le puis. Déjà, il est midi, et à midi, il n'est pas permis de jouer de la flûte. C'est l'heure que Pan, fatigué de la chasse, a choisi pour se reposer. Ce dieu est cruel. La colère siège continuellement sur son front. Aussi, je le crains beaucoup. » Fin de citation. Dans les spiritualités païennes, en général, dans les spiritualités haïtiennes et africaines, guéon bagaille, yorele, et même chinoises, guéon concept, yorele, la chronomancie. Qui ça, ça est, pasteur? La chronomancie, c'est lorsque moun utilise le temps pour connaître qui est vocation et qui expédition pour le faire entendre. Stay with me now. Gagner quatre grandes divisions du temps dans le monde spirituel: le soir, la minuit, le matin et le midi. De ces quatre grandes divisions, gagner deux lettres
fort monde qui en Haïti connaît et plus fort monde qui grandit ou plutôt qui conscient des spirituels de la spiritualité en Haïti, yo connaît que deux le ça yo pas joué. Le ça c'est pas joué qui est, c'est minuit à midi. Dans le monde spirituel, midi c'est pas l'heure jouer. C'est les petits monde chercher côté au rentrer parce que à midi, il y a gros bagage qui fait. Il y a magie, monde fait à souhait. Il y a magie, monde fait à minuit, ça où il est la nuit profonde. Il y a magie, yo fait le matin pendant soleil a pleuvé. Et il y a magie, yo fait les à souhait lorsque soleil a lorsque celui. Pardon, il y a magie, yo fait à midi lorsque le soleil brille dans toute sa force. Expédition midi, c'est une expédition qui peut terrible exister. Pour qui raison? Parce que yo fait par analogie avec le soleil. Même Jean ouais, le soleil midi en puissant, c'est comme ça tout. L'air fait magie, les puissants, parce que yo utilisé l'énergie solaire pour capable by force avec ça y a fait. Je suis en train de vous dire que le psaume 91 n'est pas un psaume ordinaire. C'est un psaume de haute portée spirituelle. Autant qui écrit ce psaume, lui connaît qui ça écrit. Bagay qui a crasé mon ami dit ça. Bagay qui a retranché mon ami dit ça. Qui a dévoré mon ami dit. Qui a piqué mon ami dit. Qui a fait dégâts à midi. C'est pour bagay naturel lié. Son démon qui a tué mon capoué sang. Et moun ki grandi Haïti, yo kontande, yo di monsieur, gon maladie ki pran a midi tapon. Pour qui raison? C'est parce que bagay sa passe à midi tapon, c'est pour bagay naturel. Son démon que on relè dans le monde spirituel, le démon du midi qui a frappé. Et frappe démon ça, son bagay terrible. Et puis tout moun tande bon Dieu qui dit. Et puis tout m'entend des gens qui disent peur. M'entend des gens qui disent parce que l'on parle des bagages sont fait trembler. Et me sentir des gens qui effrayé. Et puis tout m'vient la matière pour me dire et pour me déclarer au nom de Jésus, moi-même serviteur mon Dieu, m'pape. M'pape diable, m'pape baka, m'pape démon, m'pape malveillant, m'pape mauvais esprit, m'pape malfaiteur, m'pape mambo, m'pape boko, m'pape qui bête zombie, j'en m'en m'a dit yo, m'pape massologe, quel que soit nous yo poté ya, m'pape yo, au nom de Jésus de Nazareth. Et m'senti pour m'dire, ou même, captain de parole ça, Seigneur a dit, ou pas besoin de peur, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et m'senti pour m'dire, ou même, qui est Christ, ou même, qui a servi mon Dieu, ou même, qui dans l'évangile, ou même, qui fait la paix à Jésus, aussi puissant que peut-être le démon du midi, aussi puissant que peut-être les démons de la minuit, aussi puissant, yo capabillé, tu as avec toi un Dieu fort, un Dieu tout puissant, et son nom est l'éternel des armées. Pastor, why are you not afraid? Premièrement, moi pas peur parce que me gagne sous la vime la promesse de Dieu. Me dit moi pas peur parce que me gagne sous la vime la promesse de Dieu. Et tendez avec attention. Il serait naïf d'être haïtien et de croire que la réalité des lois et des démons n'existe pas. Comme dit encore. Faut moun ta naïf dernier degré. Pour haïtien, pourquoi que réalité diable ou gaou champouel pas existé? Ou des mecs savants, professeurs à l'échelle universitaire, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, on t'y malfaitait là, Miami, car faut qu'on ait qu'est-ce que le fréquent. Bon, dis là. Ou des mecs étudiés, dans les plus grandes universités de la terre, où des mecs sont hommes de science, hommes de lettres, si ou pas de Jésus dans la vie, ou si mal fait tes pieds sales à marcher pied à terre, quand t'as l'enchiré, qu'à faut qu'on est, qu'est-ce que le fréquent?
Et si vous voulez utiliser le langage courant, l'itafon qu'on au monsieur, il y aurait les joies. Là, où t'en aimes camper, et puis tu me déclarer, mon papa, et puis tu m'ajouter de elle, au nom de Jésus. C'est parce que me connais, aïe aïe aïe, bagay ça yo existé, même connais, yo pas qu'à faire rien, au nom de Jésus. Parce que j'ai sur ma vie la promesse de Dieu. Quand tu suis, quand tu as dans ta vie la promesse de Dieu, tu deviens intrépide, tu deviens confiant, tu es calme et serein. Senti pour me dire, ou même capteur des mains, ou pas besoin de tourmenter, ou pas besoin de battre corps, ça ou besoin, tu as besoin du mot de Dieu. Et le bon Dieu est bon moi. Aïe aïe aïe. Ou pas je me connaissais à parler. Et puis tout serviteur a dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je te mets à faire complot fiel, il a pété. Je te mets à le 4G à faire, il a pété. Je te mets à essayer à ta confiance, il a pété. Je déclare depuis ces mondes qui campent contre moi, c'est fiel pour péter. Depuis ces mondes qui sont pour attaquer, c'est fiel pour péter. Depuis ces mondes qui abrèlent dans le monde invisible, c'est fiel pour péter. Parce que j'ai sur ma vie la promesse de Dieu. Alléluia. Et bon Dieu dit, tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi. Démon midi, ou pas de pouvoir sur moi. Bac à midi, ou pas de pouvoir sur moi. Diab midi, ou pas de pouvoir sur moi. Mauvais esprit midi, ou pas de pouvoir sur moi. Parce que j'ai sur ma vie la promesse de Dieu. Et Dieu me dit, tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi. Quand on est la caïwa, levez-moi et dis alléluia. Quand on est la caïwa, levez-moi et dis merci mon Dieu. Si ce n'est pas Jésus-Christ, méchant à Dieu déjà. Si ce n'est pas Jésus-Christ, Jean qui est monde qui méchant. Jean qui est haïtien qui méchant. Yo t'avons un seul mauvais homme. Yo t'avons une seule expédition. Yo t'avons une seule frappe. C'est cadeau gardé. En plein midi ou fou. En plein midi ou couru tout donné. En plein midi ou couru ou perdu tête. En plein midi, même déclaré, diable midi tombé. Démon midi tombé. Mauvais esprit midi tombé. Expédition midi tombé. Au nom de Jésus. Oh, tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu n'as pas à craindre le démon du midi. Dieu me dit, dans un premier temps, tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi. Puis il me dit, watch this, texte a dit, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. S'il dit que 1000 tombent à ton côté et plutôt 10 000 à ta droite, ça veut dire qu'il y a 1000 qui sont au côté gauche moi et qu'il y a 10 000 qui sont au côté droite moi. C'est ça que je pensais. Depuis petit monde, m'a tendé somme, m'a cité somme, m'a li somme, m'tendé m'a dit et maman m'a dit et façon de comprendre, c'était où te mettre ouais. Il y a 1000 nègres qui campaient contre ou sous bon gauche ou bien 10 000 nègres qui campaient bon côté gauche ou sous bon droite. Qui campe bon côté ou sous bon droite, ou qui n'a pas besoin de sauter, ou a seulement gardé, et puis tout fiel a pété. C'est ça, me comprenez? Mais, l'aime lit texte à de près, et de façon beaucoup plus profonde, c'est pas ça texte à dire. Ça texte à dire, attendez, oui, texte à dire comme ça, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe le midi, et puis tout texte a dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Ça texte avait dit, il dit comme ça, les croitures l'en mort a frappé. Et croitures l'en mort, il y a là-dedans, le mot croitures ou est 4, croitures l'en mort, il y a là-dedans, les terreurs de la nuit, hein,
La flèche qui vole le jour, 2. La peste qui marche dans les ténèbres, 3. Et la contagion qui frappe après le midi, 4. Ça veut dire, là, quoi tu as le moi à frapper, des mounes, my God. Là, bon, dis-le encore. Là, quoi tu as le moi à frapper, des mounes, ça qu'a tué, c'est les terreurs de la nuit. Des mounes, ça qu'a tué, c'est la flèche qui vole le jour. Des mounes, ça qu'a tué, c'est la peste qui marche dans les ténèbres. Des mounes, ça qu'a tué, c'est la contagion qui frappe après le midi. Ça veut dire, là, quoi tu as le moi à frapper, m'a gardé, moi, de mille mouns, fiali au pété, bon côté moi. M'a gardé, moi, de 10 000 mouns, fiali au pété, bon côté moi. Et puis tout moi-même, m'a campé dans mes temps, yo. Yo tombé à gauche, moi-même, m'a campé. Yo tombé à droite, moi-même, m'a tombé. Pendant fiali au pété, moi-même, m'a prospéré. Pendant fiali au pété, moi-même, m'a fallé terrain. Pendant fiali au pété, moi-même, m'a dit gloire. M'a chanté, alléluia. Moi, levé veste. Moi, dis, c'est l'éternel qui est Dieu. Moi, viens là pour me dire, c'est pas tout le monde qu'on a calagé à terre. C'est pas tout le monde qu'on a pété fiali. Quelqu'un qui a tombé, quelqu'un fiali a pété. Moi-même m'a campé au nom de Jésus de Nazareth. Famille m'a campé. Je me voyais mourir, m'a campé. Je me voyais mourir à gauche, m'a campé. Je viens avec ça qui vient dans la tête. Moi, je ne sais pas si c'est une légende, je ne sais pas si c'est une réalité. Mais dans la histoire haïtienne, ils ont raconté. Je ne sais pas si c'est une légende, je ne sais pas si c'est une réalité. Mais ils disent que je suis un nègre. Capoal en mort. Et puis tout pendant capoal en mort dans la bataille. Et puis tout le boulet qui passait. Il prend un monde. Et puis tout capoal en mort dit en avant. Qu'on boulet qui passait. Il prend l'autre. Capoal en mort dit en avant. Et puis tout le boulet qui passait. Il prend le chapeau. Et puis tout capoal en mort dit en avant. La boulette. C'est la poussière. Moi, je viens là pour nous en avant. Quel que soit ce qui a passé, en avant. Quel que soit critique qui a voé, en avant. Quel que soit ça a dit, en avant. Mon a tombé, mais on a campé au nom de Jésus de Nazareth. C'est pas tout le monde qui a mangé. C'est pas tout le monde qui a déjoué. C'est pas ministère tout le monde qui a crasé. C'est pas tout le monde qui a voué pour fuir dans le papier pour le tomber. Il y a fait tout à vous. C'est eux qui sont tombés là-dedans. Guinègue, il y a mes pièges là pour vous. C'est eux qui sont tombés là-dedans. Et si vous regardez, ça c'est moi-même qui parle à vous, serviteur du Dieu vivant. C'est expérience qui parle à vous. Moi-même, nègre bon Dieu fait grâce. Nègre bon Dieu met dehors dans un gros tout. Si vous regardez, ouais, bon Dieu, qui est tombé dans toi, connais la méthode. Regardez-moi. Dans le ministère. Et pas détourner le fait pour moi, non? Dis nèg la capable de l'enlever et puis tout en bas la manger moi. Et puis me faire comme pas comprendre. Faites comme pas comprendre. Je garde dans le jeu, je fais comme pas comprendre. Je relax. Je relax. Mais ça, on va comprendre, non? Je va comprendre. Que je suis grâce sur moi. Je va comprendre. Que je suis onction sur moi. Et ça sur moi, hein? Amen. Les plus fort. Parce que là-dessus, il y a. Parce que le texte a dit, 1 000 a tombé ici. 10 000 a tombé là-bas. Mais moi-même, m'a campé au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, c'est pour mon Dieu, il faut camper. Je déclare, c'est pour mon Dieu, il faut camper au nom de Jésus. Je déclare, l'ennemi a passé, la fessée mon terre, les vents a soufflé. La plaque, mon goyo a tête ouverte. La gaspillé. Que mon Dieu faut camper. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand il a dit, dans l'ismoun qu'a sauvé, l'éternel prend nom. L'éternel prend nom. Dans l'ismoun qu'a sauvé. Amen. L'éternel prend nom. L'éternel prend nom. Dans l'ismoun qu'a chapé. L'éternel prend nom. L'éternel prend nom. Dans l'ismoun ou pas quitter net, fessé à terre.
L'éternel prononce. L'éternel prononce. Dans l'ismoun de mon miti, pas piqué. L'éternel prononce. L'éternel prononce. Dans l'ismoun jeune garçon qui pas gaspillé. L'éternel prononce. Dans l'esprit d'une jeune fille qui a réussi, l'éternel, faut finir de prêcher l'évangile là. Je demande pour patient avec moi. Parce que l'évangile, ça, c'est l'évangile qui a en pile mon grâce. Je demande pour patient avec moi. Parce que l'onction a coulé des fois, il a débordé. Il me sentit l'onction a débordé là. Prends patience. Tenez l'évangile quand on est à la caroua. Je me dis, papa, parce que j'ai sur ma vie la promesse de Dieu. I have the word of God in my life. I have the promise of God on my life. Mais attendez, oui. Mais bon, deuxième raison qui fait me papa. Deuxième raison qui fait me papa malfaiteur, qui fait me papa diable, qui fait me papa maçon loge. N'est qu'à détourner le monde, n'est qu'à faire vieux et vocation pour déjouer petit bon Dieu. Raison de faire papa au nom de Jésus de Nazareth. C'est parce que nous jouons dans la Bible, il y a un bagage qui a une précédence. Stay with me now. En droit, il y a un concept appelé jurisprudence judiciaire. What is that, pastor? La jurisprudence judiciaire, c'est l'ensemble des décisions de justice rendues par les cours de justice civile, par la cour de cassation, par les cours d'appel et les juridictions du premier degré. What are you saying, pastor? En droit, bon bagaille qui aurait les recherches jurisprudence. En anglais, on dit legal research. What is that, pastor? When a lawyer is trying a case, he himself, if he doesn't have the budget, hires someone to do for him what we call legal research. And what is that, pastor? It's something that they do to see if there was a case that was similar to the one that they are dealing currently. Je vais me dire en créole parce que je vais tout le monde comprendre. Dans le droit, il y a un bagage qui est précédent. Lorsque un avocat non procès, les faits, ça relève une recherche juridique ou bien une recherche de jurisprudence. Ça veut dire. Les algades pour nous, dans l'histoire légale, est-ce que il y a un cas qui te semblait à Kapala? Et là, il joue un cas, ça, il cherche qu'on est comment il a traité ça. Moi-même, là, je vais devant la réalité contagion qui fait pour les médias. En tant qu'étudiant de la Bible, mal fouillé, pour moi, est-ce que tu es un cas comme ça? Et comment, bon Dieu, tu es traité cas? Et pendant, m'a cherché, m'a fouillé, pour moi, si tu es un cas comme ça, pour moi, si tu es un démon, pour moi, si tu es un malfaiteur, pour moi, si tu es un bon corps, pour moi, si tu es un maçon loge, on vient ou gaou, qui te range col pour détourner petit bon Dieu. Et puis tout mal tombé sous car un homme, il te relé Balaam. Balaam! Range col! Yo bal l'argent! Yo fait complot avec elle! Pour capable détourner petit bon Dieu. Et puis tout Michel paraît avec bouche lui. Lui paraît avec hôtel lui. Li paraît avec ton père lui. Li offre sacrifice lui. Et puis tout le range col pour la maudit aïe. Le peuple de Dieu. Et puis tout l'éternel dit Balaam. C'est pas tout le monde qui a maudit. Balaam. C'est pas tout le monde qui a fait djihad. Balaam. C'est pas tout le monde qui a attaqué. Et puis tout la Bible a dit. Chaque fois, Balaam
grande école pour prononcer une malédiction. Au lieu que ces malédictions prononcées, ces bénédictions qui sortent, moi déclare au nom de Jésus, les grande école pour mentir, c'est béni pour bénir. Les autres ou pas réussi, c'est avancer pour avancer. Les autres ou pas tombé, c'est camper pour camper. Les autres ou pas progresser, c'est aïe aïe aïe. Que mon Dieu forme à l'intérêt, que mon Dieu change toute malédiction en bénédiction au nom de Jésus. Je pensais c'était toute bagarre à ça. Mais, des morts, l'aime continuer. Et puis tout le temps de Balaam qui dit bagaille. Mais qui ça Balaam dit? Mettez-le pour moi sur l'écran. Nombre, chapitre 23. Nombre, chapitre 23. Versets 23 et 24. Nombre, chapitre 23. Moi, je ne suis pas peur. Parce que je suis sur la vie, promesse bon Dieu. Je ne suis pas peur. Parce que j'ai une précédence biblique. La façon dont Dieu t'a traité de mon midi. Bon, façon mon Dieu t'a traité, n'est qu'à faire expédition des petits bon Dieu à midi. Il est arrivé dans Deutéronome, dans nombre 23, verset 23 à 24. Mais qu'ils ont Balaam dit. Aïe aïe aïe. Balaam dit, et puis tout, ouais, l'aime fin chercher, l'aime fin lire en français, mettez en créole pour moi s'il vous plaît. Attendez. Comme fini en français, mettez en créole pour moi s'il vous plaît. Attendez. Mais qui ça le dit? Il dit comme ça. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Et puis tout, bon verset 23 en créole. Bon, en créole. Parce que je me sens bon grâce dans le créole là. Non, 23, verset 23. Bon, en créole. Tenez ça, il dit. Pas de wanga qui t'apprend ce monde Jacob. Yo. Pas de magie qui t'a fait mon Israël. Rien. Boulez magie ou j'ouvre. Fais expédition, j'ouvre. Al tabaco, j'ouvre. Relément bon, j'ouvre. La guerre, mauvais esprit, des serviteurs, bon Dieu, j'ouvre. Même vous qu'on est. Ou même petit bon Dieu. Gon précédence. Gon façon, bon Dieu, gérer ça. Et bon Dieu, tout, pas de wanga qui t'a pris ce monde Jacob. Pas de magie qui t'a fait. Et puisque dans le monde spirituel, lorsque un monde dérange balance, il faut systématiquement balancer tête. Et puisque wanga ou fait, il n'y a pas atteindre le peuple bon Dieu, il a tourné dans well. Au nom de Jésus. Je me sentis au nom de Jésus pour me défaire toute expédition. Je me sentis au nom de Jésus pour me défaire tout wanga. Je me déclarer en tant que serviteur de mon Dieu, à onction mon Dieu sur la vie, que tout wanga qui j'ai fait dehors, que le tout n'est côté le sortir au nom de Jésus. Que tout diable qui te lagué dehors, que le tout n'est côté le sortir au nom de Jésus. Que tout mauvais esprit, il y a des nuits dans le nicho, que c'est on le manger au nom de Jésus. Wanga! Okay, wanga! Fait ou rien, pas de magie qui t'apprend ce monde Israël. Mon précédence, mon papa, parce que j'ai une promesse, mon Dieu. Mon papa, parce que mon précédence. Amen, amen. Mais quand l'autre raison fait mon papa, parce que j'ai une parole, mon Dieu. Amen. Mon papa, parce que m'y a parole de Dieu. Et puis tout, là, le plus haut Dieu m'a parole ça. Je me demande comment tu as appliqué. Je me dis, je comprends que ou bonne promesse. Je me comprends que vous précédence. Mais comment parole là pour aider pour ne pas peur? Et puis tout, bon Dieu mettez sous cœur. Parole là, pas prendre. Dans le sens de la parole écrite, ou bien dans le sens d'information, mais prends dans le sens yon zam pour goumer avec pour péter fiel baka. Et puis tout le voyem, aïe aïe aïe, dans Ephésiens 6,
qui dit comme ça, prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ça que fait l'homme prend parole là et puis tout m'a plagué fouenant fiel durable là. M'a plagué pénant ouel méchant yo. M'a plagué manchette dans des groen yo. Et pas fou fou. C'est parce que me connais sonné qui grand pire ennemi. Et ennemi yo ça parole là pour me régler yo. Et ça fait me camper ou me doit camper me dit Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Chaque fois où il doit me camper, et puis tu me dis, Seigneur, où tu es Moïse au bâton. Moi-même, je bombe la Bible. Et les Moïse, tu es couleuvre, tu es lagué bâton par la tête. Bâton la couleuvre devant Pharaon. Et Pharaon prend magicien, il prend diable, il prend bocol. Et puis tu lui prends, il prend bâton. Et puis tu lui lagué la tête. Bâton, il a tout les couleuvres. Et puis tout le monde vit pam, dans l'expérience pam. Les gens méchants tournent couleuvres. Les gens méchants tournent crapauds. Les gens méchants tournent toute qualité bête. Pour yon manger. Et puis tout me prend la parole de Dieu. Je me dis parole de Dieu. Tournez couleuvres dans le monde invisible. Et puis tout me laguer la tête. Je me dis parole de Dieu. Attaquez diable. Tournez couleuvres. Mangez-yo. Dévorez-yo. Mangez-yo. Pétez fiel-yo. Même Jean, Bato Moïse là, détournez aux couleuvres. Pipoyant, tous nos couleuvres, et que dans le monde invisible, les démons et diables, les démons et bâtards, l'attaque est mauvais esprit, l'attaque est esprit des sauts, l'attaque est esprit de l'air, l'attaque est malfaite, pète fiel, mangez au nom de Jésus. Tout le monde dit, pour toujours. Parole là, pas seulement aux âmes. Ça, c'est la parole écrite. Mais qu'on a l'autre dimension de la parole, c'est la parole incarnée. Et puis tu m'as posé cette question. Je me dis, mais comment la parole incarnée capable de faire aux âmes? Comment la parole incarnée a tous nos âmes pour le péter fiel ennemi? Et tous les seigneurs disent, allez dans Colossiens 2, on a dans Colossiens 2 sous écran. Le Seigneur dit, bon, prends couleur là. Où t'es mettre tourner Bible Kounia dans le nom de Jésus. Et puis tout Bible là. Pendant ma vessie comprendre. Mettez-vous moi, s'il vous plaît. Le Colossiens. Chapitre 2. Colossiens 2. On a le rapide, verset 14 et 15. C'est mon débat, mon Dieu. Dans quel sens? Que parole là. Tournez, yon ça. Colossiens 2, verset 14 et 15. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et puis tout le dit, maintenant qui sens, parole là sans âme. Et puis tout le dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous combattaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Bon, l'autre verset. Et puis tout à l'heure, ça dit. Amen. Il dit comme ça. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Ça veut dire la parole incarnée qui c'est Jésus de Nazareth des pétons gourmets ensemble avec démon midi. L'idée béton goumé ensemble avec baron samedi. L'idée béton goumé ensemble avec les princes du royaume des ténèbres. Et puis pendant goumé ça pété à la croix, pendant Christ a mouru, lui racher autorité, lui retirer ses épaulettes, lui retirer grade, lui déshabiller. Il prend tout ça au dégain de force. Il prend tout ça au dégain de puissance. Et puis tout l'elfine pète fiel et honnête. Et puis tout la Bible a dit qu'il mourit. Et puis tout la Bible a dit qu'il mourit. Et puis tout la Bible a dit qu'il mourit. La Bible a dit qu'il mourit. Il mourit, aïe aïe aïe. Il mourit, il dit. Et puis tout la Bible a dit. Amen. Non, dimanche matin, bien bonheur, Christ sortit vivant dans la mort.
Et pendant la sortie dans la mort, les gardes, les ouest Satan le diable, qui t'a gagné clé dans la mort, qui t'a gagné clé séjour dans la mort, les papes, les rachels dans la mort. Et puis tout le sortir avec elle. Et puis tout le déclarer. Je tiens les clés de la mort. Et je tiens les clés du séjour des morts. Et puis tout pas besoin de pénon, nous battons déjà. Ou pas besoin de pénon, nous pétons fiel déjà. Ou pas besoin de paix, nous dérangeons déjà. Et puis tout me dit, et puis tout dit, mais libre-moi épée. Libre-moi épée de la parole. Libre-moi épée, aurait le sang de Jésus. Libre-moi épée, il y aurait le nom de Jésus. Et puis tout les diables à la rime, nous dit épée. Les diables à environ, nous dit épée. Les diables à entourer, nous dit épée. Les attaquer la nuit, nous dit épée. Les attaquer la journée, nous dit épée. Les attaquer la finance, nous dit épée. Les attaquer la foyer, nous dit épée. Épée dans ouelou, épée dans fielou, épée dans dégouelou. M'a mangé, m'a dévoré, m'a tiaqué, épée pour mon qui persécuté, épée pour mon qui angoissé, épée pour mon maladie, épée, non, ouais, diable racial, épée, non, ouais, diable familial, épée, non, ouais, diable régional, épée, le sang de Jésus. Épée, le nom de Jésus. Épée, la puissance de Jésus. Épée, la mort de Jésus. Épée, les souffrances de Jésus. Épée, la résurrection de Jésus. Épée. Victoire en Jésus. Sauve-moi, aidez-moi lui, pour tout temps. Li gagne la victoire avec sang précieux. Li te remè avant me connaître. Mais je dis à li amouli. Victoire en Jésus par son sang. Dis victoire en Jésus, sauve-moi pour tout temps. Amen. Christ va moi en Jésus. Yes. Sauve-moi. Amen. Pour toujours. Amen. Christ va moi la victoire. Yes. Avec sang précieux, littéralement, avant qu'on ait, mais je dis à l'amour, Christ pour moi, la victoire avec sang précieux. Dis ça encore, dis ça encore, victoire. Avec son littéraire, avant qu'on ait
Bon Dieu révélé. M'pote ko konnen rien dans la guerre spirituelle. Mais bon Dieu t'a préparé. Et puis tu me gardé pendant m'a dormi. Moi gon gros statue. Mais l'esprit me dit dans rêve là son démon lié. Moi le camper gros statue. Pas du tout hauteur d'homme, hauteur extraordinaire, gros statue. Mais dans rêve là l'esprit me dit son démon. Et puis tout moi devant statue là. Et puis tout moi puissant devant. Et puis tout me garder dans rêve là moi m'a frappé à terre. C'est un coup qu'on bagarre qui t'me frappe à terre. Tout moi m'a frappé à terre avec même. Me frappé pour première fois. On est pas fait. Me frappé pour deuxième fois. On est pas fait. Et tout idée a dit me commencer continuer frapper. Et puis tout me continuer à frapper, me frappe pour troisième fois. Et puis tout me garder moi statue a commencé à trembler. Me frappé. Regarde statue a commencé à trembler. Et bon Dieu, apprends-moi. Il y a un démon qui l'a gagné dans le monde. Ou a besoin de persévérer dans la prière. Ou pas besoin de frapper en foi, ni deux fois, ni trois fois. Ou a besoin de frapper jusqu'à ce que vous tombez. Et vous avez tombé au nom de Jésus. Ou avez un combat qui reste pour vous. Vous avez un mauvais. Mais bon Dieu dit, vous avez une victoire sous démon midi. Aussi puissant qu'il puisse être, si seulement tu restes attaché à ton Dieu et si tu persévères, tu auras la victoire. Parole l'a dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Des fois, on n'est pas obligé seulement de prier. Des fois, on va obligé de rentrer dans le jeûne. Parce que Jésus dit qu'il y a des mots. C'est jeûne avec la prière qui pour la guérir. On va vivre dans l'oppression, pas qu'à dormir la nuit. Ou qu'on démon racial qui est encore, qui est péché au vivre. L'autre est Simon, maman ou bien papa, t'es menon au côté. Et depuis les saillots, lié à un mauvais esprit ou quitter Haïti ou venir ici mauvais esprit, ça n'en croit toujours. Nous voulons connaître que la délivrance est possible au nom de Jésus de Nazareth. Attaché à bon Dieu, demeurez dans la prière et dans le jeûne. Victoire c'est pour vous, les frères, dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc Dieu te dit, sois sans crainte. Tu n'as pas à peur. Tu n'as pas à craindre les démons du midi. Car Dieu te promet la victoire. Tu as sa promesse. Ou bien une précédence. Et ou bien paroles qui sont épées. Ou bien paroles qui sont Christ tout puissant qui a intercédé pour vous. Victoire, c'est vous. Nous espérons que nous avons été bénis par le message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou faire via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien droit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côté et gens qui plus facile pour vous. Nous disons bon Dieu merci pour le ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former monde, édifier et ainsi pour nous capable faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous la guérons dans deux plans, mes papa bon Dieu, et nous disons bon Dieu, remercions, nous remercions tout. Bye bye.